mwami wange. Oh, Zambi. Ukalenga wanye kuimba bishinza gwa mukoro boso. Qui est dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
La Bible dit, un jour passé dans la présence de Dieu vaut mieux que mille heures passées ailleurs. Amen. Et ce Dieu-là, je sais que la Bible dit également qu'il est le premier à terre des tous qui ne les cherchent pas. C'est ça? Amen. Il est le rémunérateur de tous qui ne les cherchent pas. Non. Il est le rémunérateur de tous qui les cherchent. Et ce soir, vous êtes venus à sa recherche. Amen. Ce soir, vous êtes venus parce que vous avez entendu, vous avez dit, je vais être là. Amen. Et parce que vous êtes venus à la recherche de ce Dieu-là, il va vous faire du bien. Amen. Il va vous rémunérer. C'est un bon rémunérateur, plus que nos patrons pour lesquels nous travaillons. Amen. Il sait le besoin de chacun. Il connaît ce qu'il peut te donner pour soulager le problème que tu as. Azali, mon fouti, madame. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous acclamer parce que vous êtes là? Je sais que vous êtes déplacé pour être là cet après-midi pour répondre à l'invitation du Centre de réveil spirituel Wallesa Ministry Paris. Nous vous disons de tout cœur merci. Et soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. Alors, notre programme était tel que vous l'avez reçu par le canal de médias ou dans le flyer que vous avez dit, ou bien dans le Facebook et partout ailleurs. Mais lorsque papa, à la dernière minute, le Saint-Esprit lui a parlé, il a modifié le programme. Amen. Amen. C'est pas la modification, il a modifié le thème. Nous devrions parler sur vaincre la colère de Satan. Papa, il a reçu l'inspiration du Saint-Esprit qui lui a dit non. Comme vous avez parlé à Kinshasa de Jésus-Christ, le docteur, c'est fait aussi à Paris. Amen. Et le thème principal qui va être exploité, développé pendant ces deux jours, aujourd'hui et demain, ça sera Jésus-Christ, le docteur supérieur. Amen. Ça sera lui-même. Pasteur Wallesa qui va présenter ce séminaire du début à la fin. Amen. Il a dit, ça fait longtemps où j'étais en contact avec le peuple de Paris, d'Europe, mais cette fois-ci, je vais être avec eux en contact. Voilà pourquoi vous avez dit, l'écran qui est installé, la vidéoconférence qui va pouvoir se faire, virtuellement, papa va être avec nous. Tout à l'heure. Amen. Quand ça sera le moment, il va intervenir. Vous allez le voir sur les images et il va nous parler de Jésus-Christ, le Père supérieur, du début à la fin. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Alors, la salle de Seigneur va être traité aujourd'hui. Demain, nous sommes là de 8h à 13h. Ça sera le même thème. Et Pasteur Wallesa prendra le temps de prier pour tout le monde. Il va nous amener à la prière, il va nous amener à la profondeur des choses. Parce que Dieu lui en a inspiré comme cela. Amen. Amen. Je ne commencerai pas ce culte ou ce séminaire sans pour autant honorer les hommes de Dieu qui nous ont honorés. Amen. Amen. Pour l'instant, il y a des hommes de Dieu qui viennent de loin, qui sont venus parce que Saint-Thérèse de Paris les a invités. Nous avons en premier, je vous présente, Pasteur
Emmanuel Chibangou, c'est lui le pasteur de sa jeunesse nouvelle de l'Égypte. Et je demande de voir le. Les jeunes, ils nous regardent vers le masque. Amen. C'était un homme de Dieu. Lorsque vous allez en Belgique, ne passez pas à tout autre. Vous l'appelez. Faites connaissance, c'est notre papa de Belgique. Vous l'appelez. Passez, donnez-moi votre numéro. S'il arrive et vous passez votre séjour en Belgique, vous allez prier chez vous. C'est votre maison. On va vous accueillir, on va vous voir. Nous avons encore un homme de Dieu qui vient aussi demain. C'est notre pasteur du centre de l'Église spirituelle allemand, pasteur Célestin Karlmay, le général de grâce. Amen. Papa, vous ne voulez pas m'envoyer à la beauté? Pour sa gloire. Amen.
Nous avons également notre secrétaire général qui est Papa Patrice Gata, qui est là justement et qui nous avons le coordonnateur principal de l'église qui est le diacre Chiwa Wanzambi qui va célébrer le Amen. Nous avons encore Diakou Wanessa, lui il est charismatique pour la délivrance. Même les esprits mauvais du bonheur. Amen. S'il y a des invités dans la salle, c'est la liste que j'ai ici. S'il y a des invités qu'on n'a pas pu, vous êtes pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Vous travaillez dans une église, on vous a invité. Vous êtes servante de Dieu. Vous êtes invité, on ne vous a pas annoncé, je vous demande tout simplement de vous lever, on va vous saluer. Saluez votre présence avant que vous puissiez commencer les choses. Est-ce qu'il y a des serviteurs qui est ailleurs dans la salle? Il y a des serviteurs. Servante de Dieu, on fera la présence à la fin de la prière. Merci. Amen. Maintenant, nous pouvons dire officiellement, déclarer officiellement ouvert le Seigneur. Amen. Maintenant, élevez-vous, mettez-vous debout, vous levez votre main droite en l'air, commencez à dire merci au Seigneur. Lui qui vous accepte ce soir dans sa présence, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Nous bénissons ton nom parce que tu nous aimes, Seigneur. Ce soir, tu nous as accepté dans ta présence parce que tu as besoin de nous parler. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te lever, nous voulons que l'âme des actions de grâce. Sois béni et au choix en machinal. Nous voulons déclarer ce soir ouvert ce séminaire. Oui, tu es le maître, Seigneur, de ce séminaire. C'est toi qui seras, oh Dieu, la clé de ce séminaire. Tu seras au centre de ce séminaire. Nous voulons entendre les docteurs supérieurs. Tu puisses nous manifester dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes. Je veux dire, éternel Dieu, que tu enlèves la vie de tout un chacun. Oui, Seigneur, ce soir, parce que tu es merveilleux. Parce que tu es capable, parce que tu es digne. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es là. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu réalises. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Oui, parce que tu vas toucher ce soir, tu vas transformer ce soir, tu vas réveiller ce soir, tu vas, oh Dieu, faire des grandes choses ce soir. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, descends dans ta gloire, descends dans tes bontés, descends dans ta miséricorde ce soir. Nous voulons acheminer ensemble avec toi. Nous voulons continuer avec toi. Nous voulons, oh Saint-Esprit de Dieu, réussir ce dernier avec toi. Sois celui qui nous parle, sois celui qui nous oriente, sois celui qui impacte nos vies ce soir. Oui, parce que tu es le pays. Tes enfants ont fait les connaître. Ils ont quitté la maison, ils ont quitté pour des autres. Ils ont pour des autres animés vers la parce que tu es le Seigneur, la Seigneur, Seigneur. Amen. Et pas de chacun. Et le Seigneur, sois une bénédiction pour chacun. Tu connais le problème de chacun, Seigneur. Tu connais la préoccupation de chacun avant d'être là pour le Dieu. Accès de l'année au-delà. Pour bénir nos peines, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur? Amen. Maintenant, assez-vous.
souvent les hommes de Dieu réussissent dans la vie, c'est parce qu'à leur côté, il y a aussi des femmes fortes. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis femme forte? Ah, il y a des hommes aussi qui disent ça. J'ai dit au moment, dites, je suis une femme forte. Mais si vous êtes une femme forte, cela va se remarquer par rapport à l'attitude de votre mari. La façon dont votre mari va s'habiller, la façon dont votre mari va être, ses relations avec les autres, sa façon d'être, son humeur, on va dire, il y a une femme à côté. Amen. C'est pour cela, vous les mamans, vous avez travaillé pour que vos maris soient toujours chic. Et si vous faites que vos maris puissent servir le Seigneur. Amen. Amen. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais oublié, il y a une maman, pasteur, au milieu de nous, la femme de notre pasteur Emmanuel Timamou, que je vais demander de pouvoir s'élever. Parce que nous avons le salut. Amen. Amen. Si vous suivez pasteur Emmanuel prêcher l'onction coule, sachez qu'il y a une femme à genoux. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un témoignage parce que nous connaissons qui est pasteur. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, nous allons maintenant nous lever encore. Je voudrais que vous asseyez pour que je vous présente la servante de Dieu. Levons-nous. Maintenant, la chorale va nous en donner un cantique de méditation. Nous allons chanter et après cela, nous allons adorer le Dieu de notre appel. Vous êtes fatigués? Non. Et je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Un cantique d'adoration, un cantique public, et tout le monde peut chanter. De préférence, un cantique en français, pas en italien. À jamais, tu seras l'amour de Dieu sur le tombeau, car il a accepté. La gloria de Dieu, c'est le temps, la fière.
À la droite du Père. Commence à adorer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adore Jésus. Adore le Créateur et le Créé. Adore celui qui vous a aimé. Adore celui qui t'a donné la valeur que tu as. Celui qui t'a considéré lorsque tu étais rejeté. Lorsque tu n'avais pas de la valeur. Lui, il a compris que tu avais de la valeur. Lorsque tu avais été rejeté, lui a trouvé de l'importance en toi. Lorsque tu n'avais pas de la valeur, de la considération auprès de certains, lui, il a vu en toi un homme qui avait de la valeur, un homme qui avait de la considération. Adore le Créateur, alléluia. Adore le Créateur, alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Ton mari ne peut pas changer ta situation. Il y a des choses que ta femme peut faire et certaines choses elle ne le fera jamais parce que cela appartient au souverain. Amen. Voilà pourquoi quand on est
de Dieu. Oublie que tu as des enfants. Oublie que tu as une femme, tu as un homme. Non, ça c'est à l'extérieur. Ça c'est dans la famille. Ici c'est dans la maison de Dieu. Ici c'est dans la sanctuaire divin. Et là, c'est la relation entre le Créateur et la créature. Amen. Je veux que tu comprennes cela. Si tu es distrait, c'est que tu n'as pas encore compris la chose. Voilà pourquoi je te rappelle. Ici, c'est l'histoire d'amour. C'est l'intimité entre toi et ton Créateur. Oublie le reste. Tu as des soucis, tu as des problèmes. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de logement. Tu n'es pas marié. Ou tu es marié dans le couple, vous n'avez pas d'enfant. Ou vous avez des enfants qui sont malades. Vous avez un mari à l'hôpital, vous avez une femme qui est peut-être malade, qui est possédée. Vous avez des problèmes sûrement comme tout le monde. Mais je vous dis, ne négligez aucun détail. Ce soir, parce que vous ne savez pas par quel détail le Seigneur entrera dans votre vie pour vous faire du bien. Amen. Voilà, nous allons encore chanter avec la servante de Dieu, Maman Mimi. Amen. Maman Mimi, c'est une servante de Dieu. Amen. J'aimerais qu'elle puisse encore nous amener dans la présence de Dieu. Elle s'appelle Mimi. Mimi? Non, j'ai fait quelque chose. Il y a un autre nom là. Mimi? Oh, vous ne les connaissez pas? Mimi Ciel. Du ciel. Amen. Il a bien compris. Hein? Vous avez toujours certains noms là, qu'on nous a imposés depuis le village là. Dans les noms là, il y a tellement de problèmes. Depuis que tu as ces noms là, c'est la source de problèmes. Amen. Mais le ciel, tout le monde sait que le ciel s'ouvre. Amen. Et elle a compris. Mimi du ciel. Amen. Elle va nous amener dans l'adoration. Faites-nous maintenant ce que vous avez préparé. Je ne vous dis pas ce que vous allez faire, mais ce que vous nous avez réservé. Ouvrez maintenant les cadeaux. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et si maintenant
Tu as l'audace de faire, tu
Je veux que tu menaces ta personne qui est à la source, ta personne qui est sur l'autel, à travers les caractères de tes autels. Commence à les menacer. Commence à les menacer. Un thème
chant des prophéties. Donc tous les jours, nous allons avec le témoignage. Mon témoignage que je vais vous donner aujourd'hui, c'était au temps de Corona. Quand Corona est venu ravager le monde, 2020. Papa Marès était parti, il a mis les sacs, il a rapporté les sacs. Après, à la fin de ses prières, j'ai mis la main. Elle a dit que Dieu lui a dit de payer l'offrande. Après, l'offrande était de combien? De 100 000 dollars. Ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai dit, oh, comment une personne va payer 100 000 dollars? 100 000 dollars, c'est beaucoup pour lui. Alors, ça m'a touché. Moi, j'ai pris mon salaire, j'ai envoyé. Papa Timothée et évangéliste Joël sont au courant. Je leur ai demandé la grâce de comment envoyer l'argent chez Papa Alexa. Après, ils m'ont donné le téléphone, j'ai appelé papa. Papa a dit on a donné le coup de coordonnées. Moi, j'ai envoyé ma cotisation. Et sans savoir que cet argent-là que je vais envoyer, il y aura des impacts sur cet argent. Moi, je ne savais pas. Et Corona est venu, c'était le temps de Corona. Il avait des enfants, 5 enfants, qui étaient malades. Chacun a son tour, chacun a son mois. Mais les enfants gardaient pour eux, ils ne disaient pas que maman, nous sommes malades. Chacun a son tour, chacun a son mois. Moi, je ne savais pas que les enfants étaient malades, ils ont le Covid-19. Moi, je ne savais pas. Ils avaient peur de moi. S'ils le disent, peut-être c'est moi qui sera mort. Alors, ils m'ont dit. Ça arrive à mon tour à moi. Moi aussi, je suis tombé malade, moi, de février. Mais j'ai oublié une partie. Papa Marie, ça nous a dit que cette maladie que vous voyez là, ça va faire comme des fièvres. Parce qu'à ce temps-là, 2020, tout le monde
il a fait la vie, il a peur des effets de maladie. Après, au moment des faits, vous voyez, moi aussi je suis tombée malade. Mais je ne suis pas partie voir le médecin. Parce que nous, les personnes âgées comme ça, les personnes qui prennent les médicaments, on nous tue, on nous tue. Quand ils savent que tu as quelque chose, oh, tu as la tension, tu as la diabète, tu as ça, 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 on va te tuer. Parce que toi, tu fais, tu viens gaspiller l'argent. La, les médicaments, qu'on te donne tous les mois, tous les jours. On va te massacrer. Moi, peut-être, moi, je vais te laisser. Sortir même si je mourrais, on est à sa maison parce que je ne veux pas être vraiment à l'hôpital.
et ma femme et mes enfants à la maison de la communauté. Amen. Mais cet homme de Dieu, il prie à la maison avec mon épouse, il prie avec moi à l'hôpital. Amen. Moi, je faisais 100 000 dollars. Amen. Et aujourd'hui, là, j'ai perdu plus de 20 kilos. Amen. Et bon, ça va en taille. Si j'avais le ventre comme une femme enceinte de 9 kilos. Amen. Et quel que soit le malade est bon. Amen. J'étais malade et le Seigneur m'a taillé. Amen. Hein? C'est bien comme ça. D'accord. Et le Dieu là, il n'a pas changé. Il a fait pour maman Élisée, il a fait pour moi, il a fait pour beaucoup. Certains en sont morts de la COVID, mais certains, Dieu n'a pas permis qu'ils se sauvent. Dans votre cas aussi, il y a une situation qui pouvait créer la mort. Mais Dieu vous a sauvé. Voilà pourquoi nous l'appelons Ébène et Sèvres. Tout cela, il nous a sauvé. Papa Malanda, on a quand même la gloire de Dieu. Voilà, c'est lui qui est en train de relancer ces belles images et c'est lui qui nous mettra en connexion avec papa. Il est le président des papas. Amen. Voilà, c'est lui le président des papas qui s'en est levé. Les papas qui sont là pour la première fois, vous qui ne priez pas avec nous, vous pouvez voir ce papa. Il pourra vous donner le programme de l'église après et vous pouvez faire partie du groupe des papas qui dirige. Amen. Acclamons le Seigneur pour papa Pierre et le poste du témoignage. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Chacun peut te dire merci Seigneur. Je vous dis toujours dans le nom de Jésus Christ. Amen. Il n'est pas toujours évident de parler français, ce n'est pas la langue maternelle. Amen. Amen. Ok, donc je vais parler. Alors, je vais témoigner pour la gloire de Dieu du Cameroun du Wallis. Donc, si j'ai vu aujourd'hui, c'est le Dieu du Cameroun du Wallis. Il fait des grandes choses. Alors, pour nous qui viennent de la délivrance des membres, nous voyons comment ça va, par-ci, par-là, les années, les années. Vraiment, c'est vraiment, je pense à toutes ces choses-là. C'est vraiment des grandes, grandes choses, des gars en France, tout, tout. C'est qu'on appelle le voie pour tous, ça veut dire qu'ils mourront à l'Europe. Les gens qui connaissent rien, dans le cadre de les reggae, les rachats, les héros, les coca, si, les sentinelles, les débris, briser les magasins, entrer, tout ce genre de voyous. Donc, c'est, voilà. Alors, là, je parle maintenant. Je vais témoigner matériel. Alors, si je commence à témoigner, ça sera dans le livre. Alors, j'ai passé. C'est pas toujours facile. Vraiment, le Dieu des Wallis a été tellement puissant. J'ai passé mon diplôme. Alors, pendant que j'ai passé mon diplôme, il y avait un lycée qui était là. Un français, il y avait des français, des minéraux. Alors il y a un français qui s'est moqué toujours des Congolais, parce qu'ils m'ont dit toujours des Congolais. Alors, comment ils s'est moqué de nous? Au Congo, ils avaient refusé, les fusées étaient arrêtés dans la cour de route, c'est comme ça. Alors ils viennent et m'amènent, regarde les Congolais, regarde les fusées, ça passe à tombe, ils volent pour nous, qu'est-ce que ça va faire ici, ça va rien faire. Et je me dis, cette personne n'a pas réussi. Alors, donc, il faut passer le jury. Devant le jury, quand vous louvez une parole, vous êtes disqualifié. Alors, pendant que je passe, c'est pas le jury qui est poursuivi Paris, plusieurs villes, tout ça. Alors, la personne dans la salle, il me fait des grimaces, effectivement, il fait des babacours. Voilà. Je dis stop, stop, on arrête. Tous les gens disent oui, tu as raison. Normalement, je n'avais pas raison. Je dis oui, tu as raison. Pourquoi tu es parti, le monsieur? Donc, je l'ai pris. Et je dis, ça s'est bien passé. Alors, on va faire maintenant le rapport. Le rapport, ça s'est bien passé. Le rapport, on va faire
20 pages, il y a personne qui peut t'aider si c'est 20 pages. C'est toi seul. Il n'y a pas obligé de quoi aider ou exalter. Ça s'est bien passé et il faut faire maintenant dernière présentation. Il faut pratiquement faire plus de 40 pages. Il n'y a personne qui peut t'aider. J'ai dit, Seigneur, je suis bloqué. Un, deux, il me reste 10 semaines. Seigneur, je vais commencer pour finir où? Seigneur, je suis bloqué. Dis-moi, les sentiers où? Tout le monde, je veux une lumière là. La lumière a jailli tout à coup, mon esprit est ouvert. Je commence à briser les matières, je vous assis, je commence à faire monter les blancs, le blanc, le blanc, le blanc. Donc, le Dieu de Wallace m'a donné un master de bac plus 5 ingénieur. Donc, je dis, je promis, je suis de tous les ingénieurs, je suis tout le monde vivant, je suis tout le monde fumée, il est l'air de l'intelligent, il est tout puissant. Donc, je disais, voir tout pour tout. Jésus-Christ a ça la main dans la lumière, il est plus chaud, il te prend. Là, tu te lèves. Là, tu es lumière. Aujourd'hui, un procès dans cette grande société en France. Là, où je dirige tous les ingénieurs sous ma direction. Je suis le seul du mal. Amen, 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 amen. Il est puissant. Amen. Dieu le Valence est puissant. Dieu le Valence est vivant. Amen, amen. Alors, vous devez. Je suis là. Donc, quand je fais des choses, je fais des choses avec les dieux des capotes. Je ne peux rien faire, mes amis. Amen. Là, c'était plus matériel, mais quand je commence à témoigner, c'est spirituel, c'est vraiment grand. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous restez là, restez là. Amen. Papa, vous bienvenue. Avancez, s'il vous plaît. Papa, bienvenue. Papa, bienvenue, le padam, comment il est? Le tigillet a gardé la peau. Amen. Amen. C'est papa Pierre Malanda, j'ai dit président de papa. Et papa Moukendi, il est son vice-adjoint. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Mais je ne veux pas seulement vous acclamer pour eux. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous voyez la salle comment elle est petite, non? Est-ce que quelqu'un me suit? La salle devient de plus en plus petite. Nous avons un projet depuis un moment de trouver un certain montant pour que nous puissions trouver une autre salle. Amen. Amen. Nous avons demandé que toute personne qui aime Dieu, pas seulement du centre de la messe qui fait Paris, mais si vous aimez Dieu, nous vous demandons que 100 euros. 100 euros, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions avoir une garantie pour aller trouver une autre salle. Un peu plus grande, ou bien le double, ou bien le triple de celle-ci. Amen. Amen. Si Dieu vous a béni, si vous avez quelque chose à la fin du kit de cette intervention, de cette rencontre, voyez Papa Moukendi ou bien Papa Malanda, donnez-lui votre 100 euros. Amen. Amen. Qui ça? Papa Chambou. Papa. Papa Chambou. Alléluia, Père Nanzambe. Voyez ça chaud. Voyez ça chaud. Il y a 8 mois, avant d'avoir mené nos bassins dans ma banque à la chambre de Mogo. Je suis dit, je suis dit,
Lorsque je suis rentré, j'ai trouvé Papa Walesa comme s'il dormait. Voilà. Ma petite Papa Walesa est à la guérilla. J'ai trouvé Papa Walesa comme s'il dormait. La personne qui était habillée en blanc, à ce sarai, il me dit ceci. Alors, le monde, il y a des années du binôme aujourd'hui. Voyez, lui, il est différent des autres. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit après je vais te faire voir. Il y a eu une opération, on lui a ouvert la tête jusqu'au pied, on lui a opéré. J'ai vu à l'intérieur de lui, il y avait des tuyaux, sous forme de tuyaux que nous avons dans la maison. À la place de celui de vin, il y avait des tuyaux. J'ai compris directement, je sais. J'ai dit, maintenant, je comprends qu'il est différent de nous tous. Pourquoi j'ai dit que j'ai compris? Parce que je me suis rappelé de tout le poison, combien de fois il a été empoisonné. Et il ne parvient pas toujours à mourir. En lui, c'est une autre personne. Et ce que là, mes bien-aimés, dans un Je suis une descendance de Simon Kimbamba. Nous avons vu ce miracle-là avec Simon Kimbamba. Les jours de sa mort, on lui a opéré le ventre. Il n'avait pas les organes. Directement, j'ai passé aussi à Walesa. Lorsque j'ai fini là, je suis rentré dans la chambre où j'étais avant. J'ai vu Papa Walesa qui venait. Il m'a donné un truc, il me l'a mis dans la bouche. Je me suis dit, mais pourquoi me mettre la chose dans la bouche? Lorsque j'ai avalé la chose, je me suis senti que j'ai changé, je ne suis plus la même personne. J'ai compris que papa m'a transféré quelque chose. Deuxième témoignage, nous avons nos bien-aimés sœurs qui sont ici. Les sœurs viennent de voir la grandeur de Dieu. Nous avons prié pour eux. Dieu s'est manifesté au travers d'eux. Nous avons notre bien-aimée sœur, Maman Nicole, au côté de ma table Zozali. Maman Nicole, c'est eux qui s'assoient dans la solide. La semaine de vous, pour faire la honte à Satan. Hier, avec un problème, elle avait des problèmes. Vous savez, nous avons prié pour elle. Nous avons prié pour elle. On ne peut pas raconter sa vie, mais retenez tout ce problème. Nous avons prié pour elle dans sa vie. Parfois, qu'il est dans ma tête spirituelle et tout ça. On lui avait jeté de mauvais sorts. On a prié. Et qu'il tout cela est parti. Les esprits ont crié et ils sont partis. Nous les avons obligés de prendre leur maladie. Une autre maman Nicole est là. Maman Nicole. Maman Nicole m'a souillé. Une autre maman Nicole, elle est là. Elle avait aussi un problème. Le problème était. Le problème était nombreux. Il s'est manifesté. Avant-hier, il m'a appelé
La nuit, elle m'a appelé pour me dire que j'ai dit qu'il faut que la honte retourne dans le camp de Satan. Nous avons appelé l'Esprit de Dieu. Le but de ça, c'est ça la réalité. Nous avons encore une de nos sœurs ici. Maman Flore. Maman Flore, si vous êtes là, vous vous levez. Elle avait un problème de son enfant à Kinshasa. L'enfant ne pouvait pas le visage. Nous avons prié. Nous avons récupéré le papier. Il a eu le visage. L'enfant est arrivé ici. Il est le cousin de maman Mimi qui est là. Elle était malade la dernière semaine. On l'a amené à l'hôpital. Vers 22h, on a appelé. Nous avons prié. Nous avons invité le Saint-Esprit de Dieu. Et ce Dieu-là, son bras de papou. Parce que papa m'avait dit, quand je lui avais demandé, il m'a dit comment tu vois les choses. Il a dit comme si elle devenait folle. J'ai prié pour qu'on lui fasse sortir. On lui avait mis l'esprit de folie. J'appelle ton esprit, il va revenir. On enlève l'esprit de la folie. La paix va entrer en toi. Le Dieu de Walesa qui se manifeste. Lorsqu'on a fini, on a demandé papa qu'est-ce que tu vois. Il a dit papa, je vois. Je lui ai dit à partir de demain tu vas sortir de l'hôpital. Et demain. Que le Dieu de Walesa soit avec vous. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur pour le témoignage. Amen. Voilà. Est-ce que l'interprète vous suivez bien? Est-ce que vous l'entendez? Amen. Petit maman pour Nicolo, tout le sens de merci. Nous l'aimons maman et nous disons merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le notre Saint-Bernard. Parce que tu as accepté qu'aujourd'hui on se réunisse. Je parle de Saint-Bernard. Je bénis tes serviteurs. Tes serviteurs en fin de temps. Par les
Ils sont venus même dire qu'ils rentrent avec bénédiction. L'esprit est bon à et ton esprit entre en chacun d'eux. Que chacun d'eux rentre dans la bénédiction. L'esprit de distraction est le bénédiction de la salle. Que l'esprit de distraction quitte la salle. Saint-Esprit a régné et le bénédiction de la salle. Que le Saint-Esprit seul règne dans la salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfant de Dieu, je sais qu'aujourd'hui c'est une surprise. Nous savons pas où les bénis nous ont mis en terre. Nous avons passé beaucoup d'années, on ne s'est pas vu. Il y a un de la loi qui, bon, tout ça ensemble, après trois mois, tout ça avec ensemble, on ne va pas se voir dans le monde. C'est pour cela que je pense qu'on peut se voir chaque trois mois, prier pour vous, le souffrance que vous avez là-bas. Est-ce que vous allez gâcher pour les gars? Est-ce que vous êtes sûr? Par ensemble, invitez pour les gars à démêler un coronavirus. La situation est très difficile. Boka, les gars, c'est un problème. Vous allez gâcher avec un bébé, à Missana, un problème. La caméra, on se souvient beaucoup. Donc, la caméra, on dit que c'est un handicap. Et la caméra, ici, la Maria, les enfants, ici. Je voulais appeler sur le numéro de voiture pour que vous gardiez le son et que cela passe tout se passer directement. Parce qu'il y a des coupures, on va investir sur la ligne. Mas o que eu estou pedindo é que eu estou pedindo é que eu estou pedindo
Je lui ai dit que je ne peux pas attendre que je vienne, alors vous m'appelez chaque 3 mois, on se rencontre avec toi, pour que je puisse prier pour vous. Amen. Et oui, parole de Dieu, au moins la salle à 4 à côté de Minon, et ça nous a causé au moins la chimie, et ça m'a causé la pensée, au moins la chimie de la chambre, et ça m'a causé la chimie de la chambre, m'a causé au côté de Minon, et ça nous a causé la chimie. C'est le dit que vous avez dit, la parole que nous prêchons, elle n'est pas basée sur les paroles persuasives, mais de placer, basée sur la parole, toutes les choses ne font rien, que nous avons touché, que nous avons passé. Et comme vous le savez, moi je l'ai venu, c'est-à-dire que je vous apporte cette parole-là. Et alors, on peut croire la déterminant, que la qualité sont de la défense, la gouvernement de Jésus-Christ, la qualité assistante, docteur assistant de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je viens de dire vous parler que je suis le ministre de la défense dans le gouvernement de Jésus-Christ et je suis également l'assistant de Jésus-Christ. Le docteur assistant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans les dimensions spirituelles, aujourd'hui je suis en train de monter de plus en plus, c'est pour ça que je voudrais que vous, mes enfants, vous puissiez également bénéficier de cette grâce que le Seigneur a placée en moi. Voilà, mon camarade Jean, chapitre 3, nous sommes pas dans un bon problème, il y a des problèmes de conversation, il y a des problèmes avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de vivre dans l'évangile de Jean au chapitre 3, là où Nicodème est en train d'échanger avec Jésus-Christ. Pourriez-vous ouvrir vos Bibles pour que nous puissions lire ensemble? Oui, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Je vous dis que la Bible, la Bible, la Bible. Alors, Jean, j'ai dit que toi, le premier à l'hôpital dans la douleur de tes versets, mais nous avons dit dans Jean, parmi nos doigts, du premier au deuxième verset, je veux dire. Et nous vîmes un homme dans le temps de l'éternité. On a dit dans notre moment, pas dans la bataille. Non, mais Nicodème, un chef de l'Égypte. Comment est-ce que Nicodème avait dit mon père à vous dire, il y avait une ça. Alors, il dit, c'était un pharisien. Alors, il était chef de juif. Il était chef de juif. Alors, il était pasteur. Il était comme un pasteur. Il était, oui, auprès de Jésus. Allez, réveille, allez, tout. De lui, il lui dit. Allez, pour tout, fait à Élisée. Et il a dit. Mon Dieu, nous avons utilisé un docteur venu de Dieu. Je veux dire que vos animaux par là, vous n'avez pas la table. Quelle personne ne peut faire ce miracle que tu fais, qui vient avec lui? Pourquoi est-ce que vous votez
à côté de ça, les gars, moi, pour le gros sale, ce qui est dans la réalité. Je lui ai répondu. En vérité. Il y a solo. Je te l'ai dit. Tu es un homme né de l'eau. Ce qui m'a dit, à mon avis, tu vas dire. Une belle voix et le royaume des cieux. À côté de moi, vous posez un droit de m'aider. Alléluia. Amen. La prochaine fois, je vais vous développer au droit de le royaume des cieux. Je vais vous guérir un jour et développer ce que le royaume des cieux. Si vous ne pouvez pas connaître ces églises, à côté de moi, la réalité, si vous ne pouvez pas avoir la révélation sur ces églises, Pactol Studio, à mon côté, ton bonheur n'est pas studio. Naba Mindele, Naba Tumwindu, Naba Vunzi, Bazo Wele là. Image sans losso, sans boumambouma, sans makwanza. Image propre, Lolo Mutima, merci.